Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va réagir à une story de GMK sur les voitures, tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. La Ferrari, si. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là, une pista. C'est une pista assez récente, il semble. Ah ouais, elle est récente celle-là. Pa. Le paradis des Ferrari ici. Voilà, oh, Enzo, tout ça, les anciennes. Ah, la F40, carrément. Ça, c'est quand j'étais minot, la F40, elle faisait rêver. Ah, la pista d'aujourd'hui. Ah, je connais même pas tous les noms de modèles. Il y en a tellement de modèles chez Ferrari qu'on se perd dans les noms. Il y en a tellement. Ah, celle-là, ça, quand j'étais jeune, celle-là. La Testarossa, carrément. Et le modèle avant la Testarossa, carrément. Ferrari, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? La Enzo, c'est là, il me semble. Elles sont terribles. Quand je me dis que je suis dans un endroit aberrant, ouais. Il y a pour 3 milliards de voitures, il y a 3 milliards de dollars en voitures là-dedans. Si c'est pas 20 milliards de voitures dans cette pièce. Je m'agenouille devant l'insolence de ce jeune endroit aberrant. Tout à fait. Il y a quand même de la Ferrari. Ouais, la Ferrari. Une coupée, une Aperta. En gros, 6-7 millions d'euros en deux voitures. Pff, hallucinant. Quand tu vois qu'une Lamborghini Aventador, tu peux l'avoir à 200-300 000 euros. Là, ça, c'est des voitures à 3 millions d'euros. Laisse tomber. C'est comme les Bugatti aussi, elles sont chères. Ouais, il fait 724 km d'autonomie, ça augmente. Pourquoi on n'entend pas le son? Ouais, parce qu'il parle pas. Avec sa jeune voiture de ministre de l'écologisme. Bon, la famille, aujourd'hui je vais aller chez Audi parce que ma RSI s'est cassée. Ça fait quelques temps qu'elle est cassée. Ça fait deux semaines et demie que vous ne me voyez plus avec. Donc on a un petit problème là. En gros, je vais vous faire une vidéo pour bien vous expliquer ce qui s'est passé avec ma voiture. Parce que c'est ma faute. Et je lui ai fait un peu du sale et du coup, bah, je l'ai sali. En gros, je vais vous faire une vidéo pour bien... Donc ça faisait 2 semaines qu'elle était chez Audi. Et là, bon bref, je vais tout vous expliquer bientôt. Voilà, là, je suis en train de parler chinois. Donc ça faisait 2 semaines qu'elle était chez Audi. Hier, j'avais oublié ma S63, mais aujourd'hui, j'ai oublié ma Black Series. Je viens de me rappeler que j'avais une C63 Black Series qui fait un bruit à réveiller un mort, frérot. Hier, j'avais oublié ma S63, mais aujourd'hui... Mais j'aime tellement ma voiture de coiffeur. Enfin, de ministre, pardon. C'est pas ma voiture de coiffeur, celle-là, c'est ma voiture de ministre. Quand je passe, c'est tout le monde trépasse, frérot. Mais j'aime tellement ma voiture de coiffeur. Enfin, de ministre, pardon. C'est pas ma voiture de coiffeur, celle-là, c'est ma voiture de ministre. Quand je passe, c'est tout le monde trépasse, frérot. Le concours, il est toujours valable sur mon IG. Il va y avoir d'autres concours, frérot. Là, c'est le concours pour l'envoi en enfer dans le Urus. Ensuite, tu prends une de mes voitures, tu t'envoies en enfer avec, tu kiffes. Après, tu dors dans un 5 étoiles à Monaco, restaurant payé, bien évidemment, mon ami, pour faire kiffer la team GMK. Voilà. Il va y avoir d'autres concours, donc ne loupe pas ça et va sur mon Instagram. C'est là que tout se passe, frérot. BM. Celle-là encore, ce modèle-là, je trouve que c'est encore classe. Mais je trouve que les nouveaux modèles, ils sont trop insolents dans le design. Il y a moins de... Je trouve que c'était plus classe, c'est juste les modèles d'avant. Toi, frérot, même cette montre, j'avais oublié son existence, frérot. Pourtant, elle est belle, hein. Et là, elle prend de la valeur, bien comme il faut, frérot. Dis-toi, frérot, même cette... Bentley. Moi, j'aime moins les Bentley, mais bon, si on m'en donne une, je dis pas non. Lol. C'est quand même des voitures de rêve. À l'anglaise. Ah ouais, quand même. J'aime qu'à malgré tout ce qu'il a, c'est un gars super humble et tout. Il prend le temps pour sa communauté, il répond aux questions, fait des concours pour nous faire conduire des voitures. Hors du commun, grand respect, patron. Vous êtes la famille, c'est pour ça. On fait une sorte de partage tant qu'on peut avec vous. Il n'y a pas de patron ici, c'est nous les patrons. Team GMK, en force, la famille, je vous kiffe.
Le jour où j'aurai ma Chiron, je vous la ferai conduire aussi. Lol. La voiture la plus puissante au monde. 1500 chevaux. C'est hallucinant. Faire du 0 au 100 en moins de 1 seconde. Elle remonte le temps carrément. Tiens. C'est. Elle remonte le temps quelques secondes en arrière. Là, on va y arriver. Bientôt, il va y avoir des 2000 chevaux, des 3000 chevaux, 4000. Ça va augmenter encore à 5000. Tu vas mettre des ailes, ça va être un avion. C'est bon, il n'y aura plus de permis de conduire, il y aura des permis d'avion maintenant. Elle m'avait manqué cette jeune montre, dans cette jeune Mercedes. Eh ben, comme quoi, j'aurais jamais La cru famille, qu'il je suis en train amène d'arriver 200 chez Audi. chevaux. Merde, je me suis trompé. La famille, je suis en train d'arriver chez Audi. Je vais voir un peu ce qui se passe avec la RS6, mais ça sent pas bon, frérot. Mais c'est La laquelle, famille, je suis l'ancienne en ou train la d'arriver nouvelle? chez Audi. En tout cas, ce qui est sûr, frérot, c'est que ma voiture de ministre, elle est aussi increvable que mes URH en 52, frérot, qui date de 2002. En tout cas, ce qui est sûr, frérot, c'est que ma... Mais c'est l'ancienne. C'est l'ancienne, on reconnaît au nombre de traits sur le capot. Là, il a la calandre un peu moins large, il me semble. Et les optiques. Ouais, c'est son ancienne RS6. V8 TFSI. Ah, il avait mis en noir et violet, je me rappelle de la vidéo. Bon, elle va repartir en jeune remorque, frérot. Bon, elle va repartir. Bon, voilà. Elle est encore roulante. Mais bon, elle a pris un coup dans l'aile, comme on dit dans le milieu. Les écrans violets. Frérot, la règle numéro 1, je vais toujours chez Audi en Mercedes. Je vais chez Mercedes en Audi, je vais chez Ferrari en Lamborghini, je vais chez Lamborghini en Ferrari. Et en fait, j'aime toujours faire l'inverse de ce qui est recommandé, frérot. Alors, vous voyez, fond bleu. Alors, vous voyez, la famille ici, vous avez la famille Royal Oak. Donc, ça, c'est Royal Oak Chrono 41, tout en rose, fond cappuccino. Ça, c'est Royal Oak Chrono très très rare, fond bleu, tout acier. Ici, la même avec le fond blanc, Panda, très rare aussi. Et ici, 41 mm, fond bleu, très très rare. Là, on a quatre très belles montres, frérot. Et là, sur mon jeune pouce, parce que j'avais plus de main, plus de place sur ma main, une autre montre de la famille Royal Oak, QP, quantième perpétuel, céramique noire. Voilà, ça, c'est les derniers arrivages, mon ami. Et là, après ici, on a deux Rolex, Dato Platine, Blue Ice, Ice Blue, avec les index diamants. Et ici une sup de coiffeur, mais qui est une valeur sûre quand même. Voyez la famille, ce qu'il faut savoir chez Audemars, c'est que c'est des fonds bleus, les fonds plus rares, parce que les fonds bleus, c'est ce qu'on appelle les éditions boutiques. Donc ici, on a la chrono et la pas chrono en Royal Oak fond bleu. Voyez la famille, ce qu'il faut. Vous voyez les amis, pourquoi je vous montre tout ça? C'est pas pour me la raconter, c'est parce que tout ça, en fait, c'est des investissements que tu peux porter. C'est comme ça, tu vois. C'est pas très beau, mais c'est un investissement. Ça, c'est pas très beau, mais c'est un investissement aussi. Tout ça, c'est des investissements dont tu profites. C'est de l'argent qui est placé, c'est de l'argent qui se fructifie. C'est pour ça que j'ai autant de montres. Pour ceux qui vont se dire, ouais, mais il fait ça pour ça, raconter, une montre, ça suffit. C'est vrai qu'une montre, ça suffit. C'est vrai qu'une montre, ça donne l'heure. Mais c'est une passion. Et en plus de ça, quand tu places ton argent là-dedans, eh ben, tu gagnes de l'argent. Voilà. Même si tu ne vends pas les montres, ton patrimoine fructifie, frérot. Là, la famille, je suis en train d'organiser des concours. Dites-moi si ça vous dit, par exemple, j'organise un concours où je fais gagner cette sub. C'est une sub 41 encore stickée, elle est neuve. Ou tu vois une montre pour vraiment partager avec vous dans le sens propre du terme. En tout cas, pour l'instant, j'y ai pensé. Je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Je ne sais pas quand, mais je vais arriver à faire ça. Ça se passera comme d'hab sur GMK 001.
si jamais je fais un concours pour une montre. La famille, comme d'habitude, dès que je passe à Paris, je passe chez les frangins Fix and Drive. Mais avec quoi que ce soit à faire sur votre voiture, bah, expertise, comme tu vois, à mon avis, hein, bien la réparer et on va voir l'avancée du truc. Là, sa voiture, il me dit à ça. On my waist. And they hopping out. Ah, that ain't no debate. La RS7, la nouvelle RS6, elle est plus stylée, ouais, t'as la calandre, elle est un peu plus large, t'as le pare-choc un peu différent, les optiques un peu différentes, ouais, je préfère la nouvelle, ouais. Rimka. Bon la famille, demain je vous filme une M5 frérot, E60, V10, échappement libre, tout pour le tuning, tout, vous allez serrer. Bon la famille, demain c'est quelqu'un qui est sur Instagram, qui a 20 000 abonnés, donc il y a quand même une petite base, et qui adore sa voiture, elle est dans un super état et tout, et c'est la parfaite voiture à filmer, c'est exactement ce que je voulais. Donc on va vous faire du sale, et apparemment elle a chétane, donc on va voir. Ah, celle en céramique, celle-là. Oh, joli. Même si je porte jamais de montre. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les montres. Et on n'avait pas de portable, c'était la seule manière de savoir l'heure, c'était la montre. Aujourd'hui, on a tous des portables, ça a moins de justification. En tout cas pour moi, tu vois, pour moi, voilà, si je veux savoir l'heure, je sors mon portable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette story de GMK. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.